Amis Carcassonnais, bonjour et bienvenue en Provalie, la Provence du rugby. Aujourd'hui, on va vous parler des tours d'Aix-en-Provence. Non pas des tours de Carcassonne, mais à Aix, on a eu un rempart. Oui, il est disparu. Pas totalement, on va aller voir ça. Et l'endroit où l'on voit mieux le rempart, c'est ici. Nous sommes à côté de la tour Luc qui date du 14e siècle. Et ici, nous avons le mur du rempart, la courtine. Ce mur qui faisait une dizaine de mètres de haut et qui entourait toute la ville. On a eu jusqu'à 39 tours autour du rempart. Et cette tour, elle s'appelle Tour Relux. Ça vient de Toré, la tour en provençal, et relucar qui veut dire regarder avec attention et qui a donné l'argot provençal reluqué. On a des tours du rempart qui sont très peu visibles à Aix et pourtant, il y en a. On va en voir d'autres. On continue. Le rempart a été détruit au XVIIIe siècle, mais il en reste quelques vestiges, comme ici, intégrés dans les immeubles du cours Sextius. On a cette tour avec son archère, sa fenêtre en forme de croix qui servait à tirer à l'arc. Des tours du rempart, on en a quelques-unes à Aix-en-Provence. Il en reste une troisième que l'on va aller voir. Ici, nous sommes à côté de la rue Lys-Bellegarde. Lys, ça veut dire que c'est la rue qui longe le rempart, qui lisse le rempart. Et nous avons ici cette tour du rempart, qui est un des vestiges de notre rempart à Aix, celui qui a disparu, contrairement à celui de Carcassonne. Amis joueurs, staff et supporters carcassonnais, nous vous souhaitons un bon séjour à Aix-en-Provence où le visible est invisible.